Salut, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau deck de défi. Et là, je vais vous proposer le deck de l'équipe de France. C'est le deck qu'a utilisé pas mal l'équipe de France lors des demi-finales contre la Chine qu'ils ont remporté. Ils seront en finale des MGL World dimanche soir. Donc, je vous invite à aller checker pour savoir quand est-ce qu'on fera ça. Vous allez voir, normalement, on vous prépare un petit truc aux oignons. Et donc, du coup, c'est un deck cimetière tornade que les joueurs ont beaucoup joué. Blazer a remporté le dernier match avec lui. Il a propulsé les Français en finale et donc du coup on va essayer de se faire un petit défi avec ce deck là. Et on est parti tout de suite pour le super défi. Hop. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Oh, j'espère que ça record, on verra bien. Hop 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 hop. Et on va mettre notre sorcier probablement. Oh zut, ok. Ça me va, on va encaisser avec ça. Voilà, ça charge pas, c'est parfait pour nous. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là? On n'est pas très bien parce qu'on aurait voulu peut-être avoir notre cabane plus tôt tout de suite. Parce que là on est en train de cycler beaucoup. Hop, ok, ça me va. Ça me va. On devrait péter son shield, je pense, assez rapidement. Allez. Voilà, faut qu'on pète le shield de ce côté-là. C'est parfait. Bon, par contre là pour réattaquer on va pas être très bien là pour relancer l'assaut. Du coup on va juste partir là dessus on va partir sur un poison tranquillement. Ça va gratter la tour, on a beaucoup de sorts. Il reste dans le poison là, c'est bien. Hop là, comme ça il va mourir, c'est parfait. On va renvoyer ça, on est prêt à sortir un autre. Hop là, voilà. Et là, peut-être une bonne attaque du coup avec le cimetière. Et c'est parti. Hop. On va ramener ça par là. Oh, c'était très très mal joué ça, Alexandre. C'était très 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 mal joué ça. Bon, l'avantage c'est qu'on va... Oh ouais, non, on va bien défendre quand même. J'aurais pas dû mettre mon sorcier. C'est dommage. Parce que là, ça va me coûter un peu cher, je pense, le sorcier. Ça va me coûter un peu cher. Il va probablement mettre la voleuse. Ouais, le canon même. Allez, c'est pas mal. C'est pas si mal. On va mettre ça tout de suite pour avoir des petits... Aïe. Attendez. On va mettre juste ça du coup. Ouais, on va mettre juste ça. Alors on va gratter avec encore une fois le poison. Allez, on met la pression ici. Allez. Hop, c'est pas grave. On va prendre le dash. C'est pas très grave ça, par contre, le dash. On a quasiment pas pris de dégâts sur nos tours pour le moment. Donc on est bien. On va mettre ça. Il faut qu'on puisse kite le. Ok, ça me va. Allez. Le cimetière. Un bon petit poison. Allez, on prend des gargouilles. On a la méga gargouille. Et ça devrait être bon, ça. Allez, nice. Ouh, super. Et voilà, un petit deck qui rentre la première victoire ici. C'est parti. Allez, on enchaîne sur une deuxième. Donc, comme vous le voyez, finalement, c'est assez défensif hein, comme deck avec la tornade, justement. La tornade qui nous permet de faire vraiment des très très beaux trucs. C'est un deck d'attaque et de contre-attaque. Enfin, de défense et de contre-attaque. Donc, c'est typiquement le genre de deck que moi j'aime beaucoup. On va mettre ça directement. Allez, hop, un petit coup sur la tête. Voilà, pas de deuxième coup sur la tour, c'est parfait. Ça va forcer l'adversaire à attaquer, à dépenser de l'élixir. Et nous, on va pouvoir mettre ça. Ça me va. C'est pas mal, cette petite bûche, elle est bien placée.
Je suis assez content de moi. On a pris tout le gang, on a pris tout le fût. Enfin non, il nous manquait un squelette du fût, mais ça c'est pas très très grave au pire. Allez hop, toi tu vas dégager. Voilà, on rentre les dégâts, on gratte un petit peu. On aura peut-être là. Je pense qu'on est pas mal parce que ici le sorcier de glace va faire le taf. La tornade va faire le taf. Je pense... Oh ok, un petit zap, ok. Il avait vraiment besoin de cycler un truc là, je pense. Ok, on va attendre un tout petit peu peut-être. Non, on va mettre ça quand même. Ah, j'aime pas perdre de l'élixir, mais je voulais pas remettre ma cabane à un endroit tout pourri. Hop, ça c'est bien ça. Allez hop, un deuxième coup, on le gère son dragon, c'est parfait. Hop, hop, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, j'ai sélectionné deux cartes en même temps, ça m'énerve quand ça fait ça. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. C'est juste que la princesse du coup nous a un tout petit peu gratté en plus, mais en fait on arrive toujours à faire notre coup, donc ça va. Est-ce qu'on envoie ça ? Pff, franchement, je sais même pas. Peut-être direct envoyer ça en fait. Ok, ça me va. Hop. Hop. Très bien tout ça. Hop, on nettoie, on nettoie. Oh, ça c'est bon ça. C'est pas forcément voulu, mais en même temps, c'est sa faute. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai des gros bugs de partout là. Ok, ça c'est fait. Oh, ça c'est bon ça. Vite, 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 vite. On nous met ça en plus. Allez, 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 allez. 100, 100, 100, 106, 79. Allez, allez, c'est bon ça. Oh là 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 là, ils sont serrés ces games, elles sont serrées. Mais c'est comme ça qu'on aime. Et j'en profite pour vous rappeler que je fais gagner tous les mois une carte iTunes ou Google Pet 50€ en tirage au sort parmi les gens qui commentent et qui sont abonnés à la chaîne. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et on va enchaîner. Allez, on enchaîne avec une troisième. Bon, pour l'instant, ça se passe très bien. Pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai pas une main de départ géniale, là. On va essayer de voir un petit peu où est-ce qu'il dépense. Pour vraiment pas dépenser du mauvais côté, on va attendre 1, 2, 3 secondes encore. 1, 2, 3 secondes, ok. Le truc, c'est que s'il a un jeu, par exemple, je ne sais pas moi. Ok, très bien ça par contre. Ok, très bien, ça veut dire qu'on va pouvoir faire un très très bon cimetière là sur la droite. Et on va essayer au mieux. Oh, ça c'est bien ça, ça c'est très très bien. On va mettre ça là. Ok. Bon, on a rentré pas mal de dégâts, ça a forcé un poison défensif. Est-ce que je suis vraiment content de moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment parce que là on a pris quand même tarif sur la gauche. J'aurais peut-être dû mettre une tornade. On verra. On verra comment se passe la suite des opérations. Lui, il va se faire pas mal broyer, donc ça, c'est cool. C'est l'avantage d'avoir activé la tour du roi assez tôt, en fait. C'est que du coup, là-dessus on fait pas mal de taf. Zut. Ah, ma position ici est très très mauvaise. Ma position est très 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 mauvaise.
On va mettre ça là. On va repartir par là. Ouais, c'est pas terrible ce que je fais là. Oh quel poison, oh quel poison, quel poison, quel poison. Ah, si ça marche pas par contre avec ça. Ah, j'ai pas été assez rapide par contre. Ok, ok, ok. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire une belle attaque. On peut le finir avec des sorts là. Donc, du coup, on va essayer de le finir avec les sorts. Voilà, parfait. Regardez ça, on lui met la pression ici. Hop, hop. On n'a pas besoin de rentrer beaucoup, beaucoup de dégâts ici. Donc, on va juste s'assurer que lui nous prenne pas notre tour. Et voilà, c'est GG. Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est bon ça comme jeu! Oh, ça m'étonne pas qu'on ait gagné! Ça m'étonne pas que la France ait gagné! Ah, ça marche très bien. Allez, on est parti pour une dernière. C'est parti. On va lui dire bonne chance. Ok, parfait. On a une cabane en moins de départ, ça me va. Alors, on va mettre ça. Il est très agressif celui-ci. Merde, en plus il va aller. Ok, c'est bon, on l'a décalé un petit peu quand même. Heureusement, hop, on va mettre ça. Eh bah dis donc. Ok, ok, c'est un bourrin. C'est un bourrin. Le gobelin à Sarbacane va être chiant pour notre cimetière. Et là vous voyez, on n'a pas grand chose en main en plus. Allez, va pour le poison. Va pour le poison. On a trois sorts. Ok, ça me va. Hop là, on met ça en plus. Ça, on va essayer de le garder pour la voleuse. Ok, la boule de feu, ça me va. Ok. Envoie-nous un mineur, là. Ou une voleuse, tiens. Une voleuse, c'est bien aussi. J'aurais préféré un mineur, mais parce que là, je me suis quand même pris un dash dans les dents, ça fait mal. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Au moins, on a dépensé nos sorts, c'est bien. Il faut qu'on arrive à cycler nos sorts. En fait, c'est un deck qui a beaucoup de sorts. La bûche, le poison, le cimetière et la tornade. Donc, du coup, il faut vraiment réussir à bien, bien cycler ses sorts. Sinon, c'est assez horrible. Ok. Après la Valkyrie, j'avoue, c'est pas vraiment la meilleure carte qu'on pouvait s'attendre à avoir contre nous. Par contre, ça c'est pas mal. Ah, pourquoi je le mets entre les deux là aussi, je suis bête. Ok. Le problème c'est que son mineur nous fait très très mal. Allez, je suis bête là. La boule de feu, il va nous mettre une boule de feu. Bon, il faut qu'on contre-attaque directement. Voilà, c'est notre moment, c'est notre moment. On a pas le choix, c'est maintenant ou jamais. Vite, 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 vite. Ah non, ok. Ah, ok, ok. Oh, j'ai merdé.
Et donc voilà, 3-1 pour l'instant pour ce petit deck. Donc c'est vraiment intéressant, ce cimetière sorcier de glace tornade qui est vraiment pas mal. Hein. Il défend très très bien. Bon, j'ai un petit peu foiré la dernière game, c'est dommage, c'était un petit peu serré quand même. Donc il y aurait eu moyen si j'avais mieux géré les premières défenses, je pense. J'ai encore quelques problèmes à gérer ma tornade, je pense, pour écarter le mineur, pour agresser ma tour directement, etc. Mais je pense que c'est un bon deck qui est intéressant de prendre en main. Et je le rappelle, c'est le deck qui a permis à l'équipe de France de remporter la finale, de remporter la demi-finale et de se qualifier pour la finale. La finale qui aura lieu dimanche, normalement sur la chaîne de JS. Mais je vous invite à vraiment rester connecté sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les informations sur quand commencera cette finale. Voilà, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un pouce ou un commentaire si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très très bientôt. Salut, bye bye.